les victimes, mais il y a certains faits de jeu qui, malheureusement, nous mettent un peu des bâtons dans les roues. Je pense notamment au penalty. Après, il faut pas non plus accabler l'arbitre. Je pense qu'il avait beaucoup de pression sur les épaules. Mais je dis ça tout simplement pour l'évolution du championnat. Je pense qu'on a un championnat qui commence à attirer des grands joueurs, qui commence à avoir des équipes de plus en plus compétitives. On voit l'Europe, en Europa League, les équipes jouent de plus en plus à fond les compétitions européennes. Même les équipes du bas de tableau sont beaucoup meilleures. Il faut que les arbitres se mettent au niveau, tout simplement. Et aujourd'hui, le problème, c'est que de 1, il n'a pas été au niveau, peut-être nous aussi, mais nous, on a le mérite de le reconnaître au moins déjà. Et surtout, on ne peut pas discuter avec eux, en fait. On a l'impression qu'ils sont supérieurs à nous et ça c'est un problème. Je pense qu'on fait tous partie du même spectacle. On veut donner du spectacle aux gens. Les deux équipes, il y avait deux bonnes équipes aujourd'hui. Et le problème c'est qu'on ne peut pas discuter avec l'arbitre. Et je pense que c'est un petit problème, mais je pense qu'il y a une commission qui pourra régler ça parce que aujourd'hui nous on a un joueur qui a été sanctionné et l'arbitre a fait une erreur. Donc pourquoi pas les arbitres aussi, ils pourraient être sanctionnés comme les joueurs.